Hey, what's up les gars, c'est Zinky. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée, un nouveau tuto trickshot, encore une fois. Il est très semblable au Noah Mostol. Ace, je t'emmerde. Au passage, ouais, il est avec moi, salut. Il ne m'entend pas parce que je commente en différé. La voix, au passage, avant de commencer ce tuto, la voix est beaucoup mieux parce que j'ai trouvé comment commenter avec le microphone de mon micro, de mon tripon. Et aussi je tiens à m'excuser pour la qualité de ma précédente vidéo. Sans faire esprit, je l'avais pas remarqué parce que mon lecteur Windows, comment dire, il s'adaptait, mais la vidéo était en 4 tiers et YouTube s'adapte mais à sa façon, c'est-à-dire en mettant des bandes noires. Donc je tiens à m'excuser. Passons tout de suite au tuto. Je vous l'ai dit, il est très semblable au Noah Mostol. Il vous faut un gardien que vous avez, ou une tourelle que vous avez eu dans un colis. Parce que comment dire, putain je bug. Si vous l'avez pas eu dans un colis, ça ne marche pas, regardez. En fait, faut faire ça. Et après, il faut la désactiver. Sauf que si vous avez eu votre tourelle par vos sword tricks vous-même, ça fait ça et vous pouvez pas faire le glitch. Mais par contre, si vous le faites avec un gardien ou une tourelle eue dans un colis, vous le faites ça et vous le désactivez. Miracle. Vous avez plus d'armes dans les mains, vous avez une sorte de réticule comme si vous avez un colis dans les mains quoi. Sauf que vous avez rien. Comme le Noah Mostol, vous pouvez sauter charger. Et vous pouvez faire Y ou Insta Swap pour changer. C'est pour ça que j'ai dit que c'était très semblable. Donc pour tous ceux qui galéraient un peu pour trouver le timing du Noah Mostol, c'est-à-dire la majorité d'entre vous, ce tuto voilà est beaucoup plus simple. Donc j'espère que ça vous aidera et que vous pourrez quand même vous amuser avec ce tuto. Voilà, c'est tout, il est assez simple, j'ai rien d'autre à ajouter. Sinon j'espère que vous aurez compris toutes les informations que j'avais dit dans ma précédente vidéo, même si la qualité était très médiocre. Putain. Désolé si je bug, hein, je vous l'avoue, je suis pas encore trop prêt pour commenter comme un dieu, mais voilà, je fais de mon mieux. Et sinon, si vous avez pas de. Oui, petite remarque, si vous avez pas de tourelle dans un colis. Pour le faire, vous pouvez le faire qu'une fois, il vous suffit de poser la tourelle que vous avez eue à vos propres score tricks et ça marchera quand même. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto. Oh putain, mais je bug sa mère! Pardon. Comme d'habitude, je vous mettrai des petites cams à la fin, une ou deux, je sais pas, selon le temps que j'ai. Je uploaderai aussi peut-être juste après classe setup with shot. Je sais pas combien il y en a parce que vous allez kiffer. Ils sont très originales. Hein, voilà. Par contre, l'edit sera mal faite parce que je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. J'ai perdu Camstasia Studio 8. Et donc voilà, donc ce tuto touche à sa fin. Moi je touche ma bite. Je vous aime les gars, abonnez-vous, subscribez. Enfin abonnez-vous. Putain c'est pareil, mais putain je bug, je dis de la merde. Bref, je suis désolé, le commentaire est fait à l'arrache. Mais c'est ça qu'on aime. Voilà, likez, commentez, petit commentaire sick ou j'ai pas compris ou une question. Si vous dislikez, il n'y a pas de souci. What? Bref, si vous dislikez, il n'y a pas de souci, mais dites la cause du dislike, je ne vous en voudrai pas, pardon. Et voilà, donc c'était Zinky, à la prochaine. J'espère que vous allez kiffer les cams à la fin. Peace. Tell the truth, this the last time you might see my ass from the gardens.